Salut tout le monde, on a un super truc à vous partager aujourd'hui. On a reçu ça ce matin, on est le 16 octobre et vous le savez, le Hall of Fame Xbox, ça a commencé le 28 septembre et ça finit là, ça finit le 19 octobre. Mais bonne nouvelle, il est encore temps de gagner une de ces boîtes, ça c'est plutôt chouette. Pour vous rappeler rapidement ce que c'est que le Hall of Fame, en français c'est le Panthéon Xbox. Donc le Panthéon Xbox, ça va être 16 pays éligibles et 8 joueurs par pays qui vont pouvoir gagner cette boîte-là. Cette boîte-là, mais pas que, 12 mois de Xbox Game Pass Ultimate, une série X aussi, donc ça c'est plutôt de bolo, hein, on va dire. Mais ce qui vous intéresse aussi, c'est qu'est-ce qu'il y a de collector là-dedans. Et donc, je vous disais, ouais, avant d'ouvrir ce qu'il y a là-dedans, 8 joueurs qui vont pouvoir gagner ça, 3, c'est même pas la peine d'y penser, c'est depuis que la Xbox 360 est sortie jusqu'à aujourd'hui, combien vous avez eu de succès débloqués ou combien vous avez de gamer score ou à combien de jeux du Game Pass vous avez joué depuis sa création? Ça, clairement, si vous n'avez pas fait ça depuis à fond depuis le lancement des différents produits, c'est mort hein, pour aujourd'hui. Mais bonne nouvelle, il y a eu quand même 5 épreuves qui ont été faites pour gagner 5 de ces boîtes. 5 de ces boîtes avec différentes épreuves sur Forza Horizon 4, sur Sea of Thieves, une course au succès aussi pendant 2 semaines. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore une boîte à gagner en jouant sur State of Decay 2 à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19, là, donc, ou 18, je sais plus. Je vous laisserai vérifier ça, mais en tout cas, vous pouvez encore gagner une de ces boîtes-là. Et est-ce que ça vaut le coup de jouer sur State of Decay pour en gagner une? Bon, c'est ce qu'on va découvrir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Aha! Vous le savez en plus ce qu'il y a là-dedans parce que si vous avez regardé les lots et que vous avez suivi Xbox Squad, vous le savez très bien ce qu'il y a là-dedans. Mais on va regarder ça ensemble. J'ai peur de tout casser. Ah! Donc déjà, ça ne peut pas rester caché. Je vais le mettre à plat. Hop, on a un super sweat à capuche. Ouais, je dis sweat parce qu'à force de dire sweat comme un bon français, je me faisais charrier par les gens qui parlaient un peu mieux anglais. Voilà. Est-ce que je le passe? Ouais, je vais le passer. En plus, on peut faire ça avec la magie du montage, regardez. Ah, et voilà, à peine décoiffé. Donc, bah plutôt sobre, hein, plutôt le sweat. Là, je vous le montre, il y a deux jolies poches. Fil du micro qui dépasse. Petite marque assez discrète, mais un peu pour se la péter quand même. Xbox Hall of Fame avec le logo Xbox. Derrière, il n'y a rien. Donc, au final, c'est un sweat plutôt quali. Il tient chaud, en plus, il est chouette. Et puis, non, mais il est plutôt sobre. Donc, franchement. Je pense que je vais sortir un petit peu de temps en temps avec. Il est chouette. Mais ce qui a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de classe derrière, c'est forcément. Ha ha! Ça, j'ai même pas fait de suspense ni rien. Vous allez même voir les coulisses. Grâce parce que tellement ça. Tellement il y a des réflexions là-dessus. Mais voilà, de toute façon, c'était juste pour vous montrer ça. Franchement, rien que pour ça, on est d'accord. Ouais, vous voyez la régie en plus. Des trucs comme ça, comme je vous le disais, il y en a quoi? Il y en a 200 dans le monde à tout casser. Donc ça, c'est super collector, ça fait super plaisir, ça a la forme d'une Xbox Series X, comme vous pouvez le voir. Donc pour récapituler, on a un super trophée, alors franchement, je le répète, hein, mais il est vraiment super, super classe. On a la boîte hein, aussi, pour le coup, je vais la garder, parce que pour manger des goodies, ça peut être cool. Ce super sweat, je le remontre encore, franchement, top. Une Xbox Series X, hein, rien que ça. Et puis 12 mois au Game Pass Ultimate, donc ça fait quand même un bon montant niveau lot. Si vous n'avez pas fait les épreuves jusque-là, bah, il en reste une, comme je vous le disais, sur State of Decay. Vous avez encore quelques jours pour le faire, donc c'est parti. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu et surtout bon courage pour les derniers jours qui nous séparent de la Series S et de la Series X. En attendant, on se retrouve sur Xbox Squad. À très vite.